Devant les difficultés que rencontraient déjà les commerçants face à cette crise, il nous a semblé utile d'informer les Montlousiens sur leur action quotidienne pour réduire les déchets des clients, mais aussi de leur commerce. Avec la crise sanitaire, les ateliers qui étaient prévus pour la serre de 2020 ont été annulés. Suite à cette déception, les bénévoles de la Petite Brosse ont cherché un autre moyen d'agir. Le numérique, à travers Facebook, est apparu comme une solution incontournable. Nous postions sur Facebook 2 à 3 questions par semaine pendant un mois. Par exemple, dans notre ville viticole, à quoi peut servir le marc de raisin après les vendanges? Notre objectif, sans moraliser, était que les clients apprennent ce qui est mis en place par les commerçants à Montlouis et utilisent ces solutions plus largement. Et également que d'autres commerçants franchissent le pas et changent leurs habitudes. L'année 2020 a été une année difficile pour nous, les commerçants et artisans, et ce jeu a été un moyen de communiquer.